pas trouver 400 000 francs pour te soigner, hein? Même s'il faut faire un sacrifice, je le ferai pour que tu puisses rester en vie, chérie. Chérie. Chérie, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Chérie. Où veux-tu qu'on puisse trouver cet argent? Personne ne veut nous aider. Mais il faut voir mes frères, Oscar et puis l'aperçu. Voici mon ami Chouchou Pachou. Il n'y a pas de problème, j'arrive tout de suite. Chérie, courage. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Chérie, j'arrive. J'arrive. Entrez, c'est pas fermé. Hé, hey, notre femme, comment tu vas? Franchement, ça ne veut pas. Il y a mon mari qui est très malade et mourant. S'il te plaît, aide-nous. Ses soins s'élèvent à 600 000 francs. Il nous manque 400 000. Ok, je peux bien t'aider avec 200 000 francs. Mais tu sais ce que tu peux faire, hein? Il y a mon lit qui est là. Il y a ton lit qui est là, ça veut dire quoi? Tu dois passer dans mon lit. Sacrilège! Je ne vais jamais faire ça. Ok, donc ton mari va mourir. Voilà. Même s'il faut faire un sacrifice, je le ferai pour que tu puisses rester en vie, chérie. Ok, j'accepte. Tu as pris la bonne décision. Allez, viens, ma belle. J'ai vu ma belle, ce n'est pas aussi difficile que ça. Tu as aimé? Tiens, les 200 000 que tu as donné. Meilleure santé à ton mari surtout. S'il te plaît, aide-moi. Hein? Ton frère Frank est malade, s'il te plaît. Faut mais attends que je t'ai dit de rentrer. S'il te plaît, il est malade, il est très mourant. On a besoin de 200 000 francs seulement pour ses soins. S'il te plaît, Bosco. L'argent que tu vois là, ce n'est pas pour moi. On m'a juste donné de compter. Ah! Wallahi, moi je n'ai rien. Bosco, c'est ton frère, hein? S'il te plaît, aide-nous. On a besoin d'argent, on a besoin de 200 000 francs. Mon mari est malade, il est mourant, s'il te plaît. C'est ton autre dernier espoir, s'il te plaît, aide-nous. Hein? Franck est malade? Oui. Et puis, il n'y a pas d'argent pour le soigner. Mais c'est étonnant qu'il soit malade, hein? Hey, mon frère, tu viens d'où comme ça? Je suis quitté à l'agence de Safi Mutuelle pour souscrire à une assurance maladie. Safi Mutuelle? Assurance maladie, c'est quoi ça encore? Ok, je t'explique. Safi Mutuelle est une mutuelle qui exerce dans le domaine de la solidarité. Elle intervient notamment dans l'assurance maladie avec son partenaire Sonar. C'est-à-dire quand tu souscris, on te paye 80% de tes soins quand tu es malade. Tu vas à l'hôpital, tes soins se lèvent à 500 000. Toi, tu payes 100 000 et ils payent 400 000. Même les médicaments dans les pharmacies sont concernés. Tu vas à la pharmacie, tes médicaments coûtent 100 000. Eux, ils payent 80 000. Toi, tu payes 20 000 seulement. Waouh! Mais c'est cool, ça. Eh oui. Et tu peux souscrire pour ta famille au nombre de 5 personnes. Les cotisations s'élèvent à 12 500 seulement par mois. Ah. Non, non, si c'est ça, c'est bon. 12 500 francs par mois? Oui, tu non. Payes 12 500 seulement par mois à Safi Mutuelle. Non, 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 c'est bon. Et puis, de toute façon, moi-même, là, je ne tombe pas malade. Jamais malade. Bon courage. Après. Si seulement il m'avait écouté. Ok, on y va, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Ok, allons-y. Chérie. Chérie. Chérie, lève-toi, ton frère Chouchou Pachou est là. Chérie. Chérie. Chérie, lève-toi. Ton frère est là. Chérie. 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 Chérie, lève-toi. Chérie. Désolé. Il a rendu là. Hey, non, 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 chérie, non. Chérie, non, tu peux pas me faire ça, lève-toi.
Alors, toi aussi tu peux éviter cette situation en souscrivant à l'assurance maladie de Safi Mutuel. Tu payes juste 12 500 par mois et ils prennent en charge 80% de tes soins.